bienvenue, on va faire tout, je suis lent tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne, vidéo un maximum de fois, ça va parler de quoi? Ça va parler de bouffe, des copains, des potes, des trucs à boire, du sport, des vlogs, des voyages. Et t'as très très chiant ce bruit. Et hop là. Non, sérieusement, un peu tout. On va se faire kiffer, c'est pour tout le monde, c'est pour ton petit frère, ton frère, toi-même, tes parents, tes grands-parents, tout le monde, les tontons, tata et... et tout, donc voilà, on va se faire kiffer. On commence une petite vidéo tranquille, à La Rochelle, avec la famille, les potes, le beau temps. Vous pouvez voir, il fait quand même super beau, je suis quand même plutôt bien éclairé. Et donc voilà, donc on va se faire kiffer. Et je crois que ce soir, mon père a prévu un petit verre, un petit mojito. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et ça fait juste là. Et puis voilà, on part là-dessus, on part sur un petit truc tranquillou, match très important du Stade Rochelet demain aussi contre Montpellier en quart de finale. Allez, bon, d'ici là on aura le résultat quand la vidéo sortira. Et voilà, et puis on va faire des petits trucs, on va sûrement voir des potes. On verra comment ça nous mène, mais en tout cas, premier petit vlog simple, en famille, entre potes. Donc voilà, bah abonne-toi et suis. Et active la cloche, non je déconne, je ferai jamais ça. Allez, transition. Finalement, transition, bouteille. Ouh là là, surexposé. Par contre, je savais peut-être pas parler de ça. Scotty, tu viens? Oh, oui. Mais hey, on mange pas la caméra. Mais oui. Ouais, cette fois, vraiment, transition. On fait... Scotty, tu fais une transition? Tu fais une transition, Scotty? Transition, on va boire un verre? Vas-y, transition. Bon, les gars, finalement, changement de plan. Scotty, c'est moi ou c'est toi qui l'annonce? Ouais, on va dire que c'est toi. Allez, viens. Non. On fait doucement. Scotty, viens là. Scotty, tu viens? Viens annoncer le changement de plan. Bon, finalement, si on va juste à un autre endroit, hyper sympa, plus guinguette. Je sais pas si je vais pouvoir filmer, ce sera sûrement peut-être des plans à l'iPhone. Mais c'est mieux que rien du tout. Je fais au mieux. De toute façon, bon, allez. Du coup, au lieu que ce soit transition casino, c'est transition guinguette. Scotty? Transition guinguette? Transition guinguette. Et bon, après m'être présenté moi-même, après avoir présenté le grand Scotty connu de tout le monde, je veux vous présenter, ben, on l'entend déjà, El Refe, mon père, celui qui va nous payer 1, 2, 17 coups. Bon, on verra bien. Juste là. Comme c'est moi qui paye ce soir, vous en déduirez facilement que c'est toujours moi qui paye. Donc le vrai producteur et le vrai propriétaire de la chaîne, c'est Bibi. C'est ma production. Allez, on est parti. Bon, ça part sur un petit plan iPhone. Bon, il y a un changement de lumière entre plusieurs plans, mais voici la fameuse guinguette à La Rochelle. Et on repart sur une deuxième verre. Bon, bilan de la soirée. Combien de verres as-tu payé, chef? Finalement, ça a été plutôt raisonnable. Ça va. Oui, c'était assez raisonnable. Oui, ça va. Monsieur a pris son petit vin rouge. Dégueulasse. Ah, ça, je vais pas pouvoir le mettre dans le vlog. On va clôturer ce premier jour de vlog pour le lancement de la chaîne. Ça faudra pas vous douter, on va pas clôturer avec n'importe qui. N'est-ce pas? Bon allez, on va faire la transition jour 2 avec Scotty. Scotty. Je me fais une petite transition jour 2. Arrête. Transition jour 2. Transition. Jour. Allez, fais-moi 101. Bon, c'est pas grave, je l'ai fait. Transition jour 2. Et... bon, petit souci, j'ai oublié de faire l'intro en fait du jour 2.
Donc là, pendant que j'étais en train de commencer un peu à dérocher le jour 1 et tout. Donc, clap jour 2. Non, du coup, petit problème de la journée, déjà petite fatigue, donc j'étais dormi hyper tard. Et donc là, ça va être un petit café avec ma mère. Tranquillement, bah, pour la présenter, parce que faut la présenter. Il y a le réfé, il y a la daronne, c'est tout quoi. Et voilà, donc je pensais à partir sur un petit café, ensuite match de rugby, et puis je vais essayer de vous filmer tout ça. Et puis j'espère qu'on va gagner quoi. Ah, il y aura peut-être ce soir un petit verre entre potes. Et je dis ça, je dis rien. Maintenant, ouais, il dort Scotty, donc je peux pas vous faire de transition Scotty. Donc, transition FT. Petit update. Ouais, je suis très bon, je suis en face du soleil. Donc je vais voir ma mère pour un petit café. Je suis pas sûr qu'elle veuille vraiment se présenter. Elle sort du taf, elle m'a dit qu'elle était crevée comme pas possible. Donc dans tous les cas, il y aura. Vous nous verrez discuter, mais. Il y aura un petit peu accès, mais je peux pas dire parce que. Enfin, je pourrais pas mettre les paroles parce que ce qui se dit avec la mama reste avec la mama tout simplement. Donc voilà, donc je vous promets rien, mais au minimum, petit plan café, petit chat café. Allez. Bon, oh là là, je sais pas si on voit trop, ouais, là on verra mieux. Finalement, ma mère n'était pas du tout présentable parce qu'elle était en maillot de bain. Donc voilà, mais je vous la présenterai un peu plus tard. Mais voilà, c'était des petits cafés avec la daronne, très sympa. Maintenant, on va se préparer pour le match parce que ça va vite arriver. Bon, ça s'enchaîne très vite, préparation pour le match. Vous avez pu voir, petit maillot et puis. Donc là ça va être à l'iPhone parce qu'il va y avoir du monde, ça va être un peu supporter, donc on fait ça. On va faire ça simplement entre guillemets pour la première. Donc voilà, donc là ça va aller chercher les petites lunettes de feuille chez ma mère, j'ai oublié. Et puis, ça va se préparer, et puis je vais vous faire des petits plans accélérés quand j'arrive là-bas, parce que tout le monde sera en jaune et noir, tu vois. Donc on se retrouve tout de suite, je pense, avec un petit plan directement au stade. Attention. Directement au stade. Bon, finalement, je vous avais promis un petit plan dès qu'on arrive au stade, et finalement, il y a quand même la petite interview pronostic avec le daron. Donc, on sait qu'il y a des absents majeurs, Will Skelton, Brice Dulin par exemple, sur les gros noms. Et toi, si tu devais faire un pronostic là, pour le match. Ici, c'est La Rochelle. Ici, c'est La Rochelle. Victoire serrée, Ici, c'est La Rochelle. Pronostic, c'est un tableau pronostic. Ici c'est La Rochelle, on gagne à La Rochelle. Transition terrain ? Je sais pas, transition terrain. Allez, venez chiner tous ensemble. Et hop, nickel. Bon, victoire finalement, et puis
Match incroyable, match incroyable. Puis maintenant, bah, on va aller voir le petit frère jouer. Bon, ce sera une autre... ce sera pas la même ambiance. Mais... Ouais, je range le drapeau, c'est fini. Le maillot, tout ça, je change. Allez, petite transition au match. Bon, mauvaise nouvelle pour le vlog. Mon frère a pas d'arbitre, du coup, je dois arbitrer. J'essaie d'avoir quelques petites vidéos, mais bon, je vous promets rien. Allez, c'est parti, on enchaîne, de toute façon, on enchaîne. Bon, les gars, voici le petit dernier. Et voilà, le petit dernier. Oui, il a perdu son match, mais franchement, bon match personnel. Bon match personnel. Bon match, mais meilleur en face. Ouais, non, c'était. Mais bon, c'est un 2005, regarde, t'es mal à taille pour un 2005. Mais voilà, donc c'est. Et on clôture le vlog avec toi. C'est bon. Le vlog là. De toute façon, le meilleur pour la fin. Le piton, genre. Bon, est-ce qu'on fait pas une transition ensemble? Genre. Vas-y. Tu vois laquelle transition je parle? Je vois très bien. Où tu mets la main sur. Vas-y. Ok, vas-y. 3, 8.